Le festival existe depuis 20 ans, donc printemps 92, on se retrouve entre amis, Jean-Paul Ricard qui était déjà président de la Chemi, Alain Pasquet qui était responsable culturel de la Barbière et qui organisait des soirées ouvertes aux musiciens de jazz, et moi qui adorais le jazz et qui venais un peu du monde de la communication. Et on s'est retrouvés ensemble en se disant et si on organisait un concours pour des musiciens, pour soutenir les musiciens. Voilà, et c'est parti de. Enfin, c'est vraiment parti à un moment donné d'un échange entre amis sur à la fois la passion du jazz et puis la passion de l'entreprise, de créer quelque chose, de démarrer quelque chose. Puis en 96, on a intégré le cloître des Carmes ici, voilà, avec un lieu qui est quand même un lieu absolument magique, qui est habité, qui a une jauge exceptionnelle, une proximité avec les musiciens. Voilà, bon, c'est vraiment notre lieu et on y tient beaucoup. Le festival de jazz est composé d'un certain nombre de concerts, de têtes d'affiche et d'un concours. Concours avec un accès libre. Et ces jeunes formations européennes qui sont sélectionnées sont autant de musiques variées qui permettent aux spectateurs novices d'appréhender le jazz dans toutes ses variations. Et l'entrée libre fait que les personnes un petit peu curieuses font une démarche qui est peut-être plus facile que d'aller voir directement une tête d'affiche. Ça swingait hier soir dans la cour d'honneur de la Cité des Papes. Le festival Tremplin d'Avignon a donné son coup d'envoi avec l'une des plus grandes pointures du jazz, Brat Meldo, Dominique Poncet et Laurence Hour. 11 ans déjà que le Tremplin Jazz d'Avignon a creusé son trou dans le giron des grands festivals d'Europe. 11 ans que cette manifestation rebondit entre grandes pointures et talents en devenir. La préparation du festival, c'est une année. C'est une année de travail avec évidemment une montée en puissance à partir du mois de février. Pour deux raisons. Parce qu'on va commencer à recevoir un certain nombre de candidatures qu'on va répertorier plus exactement. Et puis on travaille également sur la programmation à venir. Alors s'agissant des candidatures et du tremplin, on fait un premier tour à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne regarde absolument pas, le pré-jury ne regarde absolument pas qui ils sont, d'où ils viennent, quel âge ils ont, etc. Bon, et lorsqu'on a fait le premier tour et qu'on a gardé ce qui paraissait être en capacité de passer un peu le cap, là on commence à regarder pour effectivement essayer de soutenir et promouvoir les jeunes musiciens ou les musiciens en devenir. Et sur les 90-100 candidatures en règle générale dont on dispose, on retient essentiellement 6 formations qui vont concourir sur 2 jours, 2 fois 3. C'était des concours d'amateurs. Aujourd'hui, c'est des musiciens qui sont confirmés, qui ont fait déjà un disque, qui ont ou deux, qui commencent à tourner, qui ont des concerts, mais qui n'ont pas encore la notoriété. Il leur manque le petit quelque chose. Ils ont gagné l'année dernière le Grand Prix du Tremplin Jazz à l'unanimité et aussi le Grand Prix du public. On est très très heureux de vous présenter le groupe allemand Krasport. Thank you.
but principal, c'est déjà de faire émerger donc, des jeunes musiciens du jazz, donc de la scène nationale au début, à la scène européenne depuis 2000. Donc, c'était à la portée de tout le monde. Tous les choix musicaux de jazz sont acceptés. Ce sur quoi on est d'accord, c'est que je pense que tous les musiciens aujourd'hui jouent relativement bien de leur instrument. Maîtrise de l'instrument, voire même de la virtuosité, c'est pas un véritable problème. Par contre, là où il y a un problème, c'est l'identité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils expriment, qu'est-ce qu'ils sont capables d'improviser. À quel moment ils sont capables de se trouver dans cette espèce de limite extrêmement ténue entre l'histoire du jazz et la nouveauté. Je pense que cette cuvée, en termes de musicalité, en termes d'instruments, en termes de créativité, est une des meilleures cuvées que nous ayons eues. La délibération de ce 20e Tremplin Jazz a été compliquée. C'est parti. Je ne suis absolument pas rentré dedans. Je me suis dit, tiens, en fait, du jazz. Comme France, je me suis un petit peu ennuyé sur la longueur. Moi, dans l'idée, c'est des choses qui me plaisent bien, quoi. L'interaction de du groupe. Donc, j'ai aimé ça. Difficile. Ça, c'est très très bon. J'avais du mal à trouver à suivre la continuité du récit, savoir qu'est-ce qui se racontait. Moi, ça m'a gonflé, quoi. Et la fumée blanche est sortie, on est arrivé à un résultat. Alors, c'est le premier et le troisième groupe de ce soir. Moi, je trouve que c'est là qu'il s'est passé les choses. Maîtrisé, il y avait. Et en plus, il prenait des risques et puis surtout, c'est un critère qui est très difficile à expliquer, c'est il y a de la musique tout à coup. Ça a démarré dans un murmure, je me suis demandé, on entendait l'oreille, c'était extrêmement. C'était évanescent, quoi, l'alto, puis il y avait des unissons magnifiques. Hein. J'adore le côté diaphane, j'adore ces sons éthérés, j'adore l'équilibre. Et qui vote pour l'abstrio ? Qui vote pour Olaf Lind ? Le grand prix de cette année est décerné au groupe... T'as voté toi ? Non. Non, c'est pas facile. Non, mais je vote pour les Gascons, toi. Bah écoute, non, mais non. Non, mais moi, ça. Non, honnêtement, je ne sais pas. Mais à chaque fois, tu ne votes pas, arrête. La trio Bravo. Ben, je pense que le tremplin de jazz et cette démarche est essentielle parce que il y a de moins en moins de petits clubs de jazz vu l'état économique de l'Europe qui est quand même voué à un certain libéralisme et donc qui implique que les petits lieux avec peu d'argent disparaissent. Donc c'est essentiel qu'il y ait des tremplins comme ça
Je me rappelle que j'ai pu débuter et me faire connaître à Paris grâce au festival de jazz de la Défense, qui est un concours. Et à l'époque, lorsqu'on gagnait le concours, on avait le droit à jouer au festival de la ville de Paris. Je pense qu'il n'y a pas que le jazz dans cette histoire. Il y a une belle aventure, quoi. Il y a une belle aventure humaine. J'ai réuni hier les bénévoles pour leur dire que tout ça n'existerait pas si depuis 20 ans, il n'y avait pas des gens qui avaient donné de leur temps, de leur passion, de leur énergie, de leur mobilisation pour être présents et pour faire d'un festival qui est, encore une fois, monté que par des bénévoles et par une association, des conditions qui sont parfois plus professionnelles que certains festivals professionnels.